direct de l'accostage, émission spéciale. Ouais. Waouh, dans moins de 3 heures, on sera, on va donner le coup d'envoi de ce concert énergie pour le Rivabella Festival. Dès 18h, ouverture des portes, n'hésitez pas à venir très très tôt hein, pour être sûr d'avoir les meilleures places. Et toute l'après-midi, on vous fait vivre sur Énergie Caen, les coulisses avec les artistes qui sont là. Et Tal vient de nous rejoindre ici en direct sur Énergie. Sois la bienvenue, Tal. Tal qui vient d'arriver, franchement ça fait plaisir de te recevoir avec nous. Tal, tu sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont fait la route, parfois de très très loin. Oui, je sais, j'ai rencontré tout à l'heure des fans qui m'ont dit qu'ils ont fait 3 heures de route, 4 heures de route, 5 heures de route. Il y en a certains même qui viennent de l'étranger, figure-toi. Merci beaucoup, merci infiniment, ça fait chaud au cœur de vous voir, vraiment. Clément de Saint-Manvieux, lui, il a fait une dizaine de kilomètres, mais il est là quand même, sois le bienvenu Clément sur Énergie. Il a une question à te poser, Tal. Alors, on attend tous avec impatience ton nouvel album. J'aimerais savoir si tu as des petits secrets à nous dire par rapport à ce nouveau projet. Tu veux connaître la date, quoi. Non, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une tournée pour février sur Instagram, une chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, normalement, l'album à la rentrée, donc je sais, j'ai pas de date exacte, mais je l'espère le plus vite possible, justement, parce que j'en peux plus de vous faire découvrir les chansons. Mais voilà, moi-même, je sais pas encore la date, mais je vous dirai dès que j'en saurai un peu plus. On a une question qui est arrivée sur Facebook, alors qu'il y a un rapport avec le ballon de foot que tu as devant toi. Je vais d'ailleurs te donner un petit stylo, si tu veux nous faire une petite dédicace, on l'offrira ce soir pendant le concert Énergie pour le Rivabella Festival, on le fera passer dans le public. Nathan de Saint-Comté qui dit qu'il t'a vu sur TF1 envoyer des encouragements à l'équipe de France de foot. Est-ce que c'est vrai que tu aimes vraiment le foot ou est-ce que c'était juste pour faire genre, il te demande. Non, je fais jamais genre déjà. Et non, quand je suis devant un match, je vais regarder parce que j'adore le jeu en général. Après, moi, je suis plus fan de basketball américain ou football américain aussi. Et mais par contre, quand je suis devant un match, j'adore. Je suis à fond, je suis là. Oh des réactions de mecs. Mais sinon, non, je vais pas aller, je vais pas rentrer chez moi juste pour voir un match, par exemple. Donc voilà. Flavie Nantes, sois la bienvenue. Elle a fait beaucoup de route, près de 400 km pour venir te voir. Oui, on fera la dédicace après, t'inquiète pas. Salut Flavie, t'avais une question à nous poser, enfin à poser à Tal. Oui, je voulais savoir, il y a un film sur toi qui est sorti donc en 2014 qui résume ta vie. Et donc je voulais savoir, c'est qui a eu l'idée de le sortir? Très bonne question. Merci Flavie. J'ai une mémoire de poisson en plus. Je crois que c'est vraiment l'idée de... Est-ce que de c'est ma maison disque et de moi. Enfin, c'est un peu... On était autour d'une table, on en a parlé en fait naturellement et on était tous à fond pour faire ça. Après c'est vrai que je pense que c'était leurs idées au début et que moi j'étais pour après. Parce que moi-même je pensais pas du tout à faire ça parce que je me considère pas comme une star ou comme quelqu'un qui a une carrière hyper longue pour faire un film sur elle. Je trouvais pas légitime de le faire aussitôt mais voilà au final ça a fait plaisir aux fans, ça vous a fait plaisir et j'ai pris plaisir à le faire. On a hâte de te voir sur scène ce soir. Il y a plein de monde ici dans le public qui demande combien tu vas faire de chansons, Tal. Est-ce que tu peux nous le dire? T'as le droit. Oui, j'ai le droit. Enfin, je fais ce que je veux d'abord. Je suis libre. Je vais chanter 3 chansons. Donc, je vais chanter Le sens de la vie, Le passé et ma nouvelle chanson How You Wake. On a trop hâte. On se retrouve dans quelques minutes avec toi, Tal, sur Énergie, si tu veux bien rester avec nous. Avec plaisir. En direct de l'accostage à Ouistreham à l'occasion du concert Énergie pour le Riva Festival. Et je précise que tu cette émission. Tu peux prendre ça ou pas? J'y prends. Il y a besoin de quelqu'un pour se faire éventer. Oh, non, quelqu'un je veut éventer moi. Tal. Non, émission filmée, je précise, en 360 degrés. Vous pourrez retrouver les vidéos sur Facebook, facebook.com/énergie14, où on vous fait vivre cette émission spéciale. Venez en retrouver sur Facebook et puis restez sur Énergie. On se retrouve avec Tal juste après Pic et MHD en direct de l'accostage sur Énergie.